Bonjour tout le monde, bonjour Jackie. Bonjour Michel, alors dites-moi, c'était quoi cette surprise dont vous... Eh bien, voilà, Jackie, je vous avais promis une surprise, voilà, effectivement, ce sera une course de micro-machines. À chaque fois, des duos micro-machines contre M7, de toutes petites voitures, ouais, par catégorie, Rolls, Jeep, Mazda, Chevrolet, le fourgon de pompier contre le gros camion, chacun espérant affronter la référence des voitures de sport, la Porsche 911. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Jackie? C'est bizarre, quand même. Oh, je suis sûr que ça va vous plaire. Oui, allez, on est parti. Je vais prendre ma loupe pour rien rater. Première course, la Rolls contre la Jeep, avec une très belle accélération de la Rolls. Et la Jeep qui remporte. Effectivement, la Rolls était pourtant bien partie en tête. Oui, mais il y a un saut à la fin de cette piste, et forcément, le tout-terrain l'emporte. Allez, on enchaîne avec le fourgon contre le camion. Voilà, le camion qui est parti tout de travers, c'est dommage. Et une belle victoire, du coup, pour le fourgon. Ouais, en même temps, c'est logique, un poids lourd. Ah, ça va vous plaire. Là, la Camaro. Ah, attention, la Mazda est bien. Oh, elle a gagné. Effectivement, la Mazda a une très très belle accélération, mais elle s'est ratée au saut. Du coup, la Camaro lui est passée devant. Ouais, la Chevrolet, voiture américaine, muscle car, ça, c'est la vraie voiture de sport. Oui, oui, alors du coup, la Mazda était quand même bien partie aussi, mais bon, bah effectivement, elle l'a pas emporté. Donc nous avons trois véhicules qui ont été éliminés, et nous allons avoir la demi-finale, les trois véhicules vainqueurs, pour savoir lequel affrontera la Porsche 911 Turbo. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première demi-finale? Pourquoi vous dites première? Il y en aura qu'une. Oui, effectivement, on va faire courir trois voitures en même temps, vous avez raison, il y en aura qu'une. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la demi-finale? Oh, mes oreilles, Jackie. La Jeep, la Chevrolet, le fourgon, qui se fait coiffer au poteau par la Chevrolet, qui finit sur le toit, quand même. Ouais, enfin, ils sont tous tombés sur le toit ou sur le côté, là. Il y en a aucun qui a réussi à tenir debout. Ouais, c'est un peu le problème quand on est sous pression comme ça. On essaye de faire le mieux que l'on... Mais dites-moi, la Camaro, elle aurait pas poussé la Jeep à la faute, là, par hasard? Bah, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Puis de toute façon, la Camaro, c'est une voiture de police. Donc, ils ont forcément raison, parce que la police a toujours raison. Et pendant que nous enlevons le fourgon qui finit sur le toit, eh bien, la finale se prépare. La finale! Les oreilles, Jackie. La finale en deux courses entre la Porsche 911 pour l'Europe et la Chevrolet Camaro pour l'Amérique! La Porsche 911 qui a pris un très bon départ. Mais c'est la Camaro qui l'emporte! Oui, encore une fois, un petit raté après le saut, et vous voyez que les deux voitures ont eu du mal, mais la Chevrolet s'en sort beaucoup mieux. America! Again, yeah, ça c'est de la bagnole, ça, la petite Porsche 911, qu'est-ce que c'est quoi, c'est une Volkswagen, quoi, c'est une Cox un peu améliorée. Ah, qu'est-ce que vous dites, mais non, mais c'est pas ça, c'est quand même, c'est la référence absolue. Ouais, référence de rien du tout, une voiture de parvenue de nouveau riche, là, ça n'a aucun intérêt. Ouais, parce qu'une Chevrolet Camaro, vu le prix que ça coûte, c'est une voiture de quoi? Ça, c'est une voiture de sport pour les jeunes. Ça a été prévu exprès pour eux. C'est d'un point de vue économique. Oui, oui, allez, allez. Deuxième course, on échange... Alors, ça, je suis pas sûr que ce soit pas la Chevrolet qui essaye de mettre la Porsche dehors, hein, mais... Ouais, mais c'est quand même la Camaro qui s'impose à la fin, et c'est ça le plus important. Oui, la Porsche qui, malheureusement, n'aura pas tenu sans... Ouais, sans, mais arrêtez, Michel, vraiment. Et regardez, c'est bien ce que je disais, c'est la Camaro qui pousse la 911. Non, mais c'est la 911 qui voulait l'empêcher de réussir en la poussant dehors, il a coupé la route. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça, c'est la mode américaine, hein. On fait des donuts autour du vaincu. Ah. Mais c'est pas très sympa, ça, quand même. Ouais, il y avait qu'à gagner, comme ça, il aurait pu en faire lui-même aussi. Hein. On se quitte là-dessus, alors. Et la semaine prochaine, Michel, on fait de la NASCAR? Non, la semaine prochaine, on a une vidéo sur la collection. Oh non, sérieux, on n'a pas encore ça, Michel. Ah si, Jackie, il en faut un petit peu aussi, ça fait plaisir aux gens qui les regardent. Et puis on retrouvera la NASCAR dans 3 semaines. Ah, j'ai hâte. Allez, à samedi, Jackie. À samedi, Michel.